Yo les gars, c'est Nabet, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, car ceci est la vidéo spéciale pour les 6000 abonnés de la chaîne. Donc voilà, sur ce déjà je voulais vous remercier. Déjà parce que franchement c'est une stat insane, c'est franchement énorme les gars. Franchement, merci à tous. Franchement c'est incroyable, merci à tous. Les gars, la prochaine grosse étape c'est les 10 000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on va y arriver. Et franchement, petit défi, on fait les 10 000 abonnés avant la fin de 2024. Franchement ce serait incroyable et merci encore à tous. Donc forcément pour fêter ces 6 000 abonnés. Bon, le slide s'il te plaît. Forcément pour fêter ces 6 000 abonnés, j'avais eu une idée de concept de vidéo qui serait franchement très stylé. Les amis, je vous présente le Freddy's Fazbear's Pizza Place dans Minecraft. Oui, je refais la pizza de FNAF 1 dans Minecraft. Alors, elle n'est pas entièrement finie. Alors, pour moi, en gros, elle était finie. Mais après, voilà, il manque encore l'emblème, tout ça. Il manque encore quelques décorations. Il manque encore réellement un toit, tout ça. Mais voilà, en tout cas, l'intérieur est prêt. Juste l'extérieur, forcément, il va falloir encore que je la continue, tout ça. Mais voilà. Donc, ceci est la marque que j'ai faite spécialement du coup pour les 6000 abonnés, avec quelques décorations, un beau parking et tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a des panneaux ici. Donc en gros là c'est le checkpoint, c'est ici qu'on spawn tout le temps. Donc on a la map de FNAF 1 qui se trouve donc ici, là voilà, pour les 6000 abonnés. On a la map de FNAF 2 que je ferai pour les 7000 abonnés. On a le Fazbear Fright de FNAF 3 pardon, que je ferai très certainement pour les 8000 abonnés. Et la maison d'Afton dans le FNAF 4, que je ferai très certainement pour les 9000 abonnés. Donc, si le contenu vous plaît, en plus de ça, on se retrouve avec des animatroniques extrêmement stylés que je vais vous faire montrer, que je vais vous faire découvrir juste après. Si vous kiffez le concept, et surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, les gars, je vous fixe un objectif de 30 likes, et puis, quand on arrivera aux 7000 abonnés, je m'occuperai de faire justement la map de FNAF 2, qui va être juste insane. Franchement, je sens que ça va être incroyable. Donc voilà, donc déjà, les gars, comme vous pouvez le voir, oui, je suis avec le mode Security Craft, tout ça. J'ai rajouté plein de modes. Les gars, c'est parti. J'ai très hâte de tout vous faire découvrir. Let's go. Voilà. Déjà on rentre, voilà, ça ressemble plus à une prison que ça ressemble plus à une prison qu'une pizzeria. Mais bon voilà, alors déjà là on entre, bien sûr on a le bureau. Incroyable, voilà, petite référence à Funtime et à Spartan, voilà, bien sûr, j'étais obligé de la faire. Donc déjà voilà quelques décos. Un bureau très stylé avec la peluche bien sûr de Freddy. Voilà, des vitres et tout. Les portes. Voilà, bien évidemment, franchement, très 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 stylé. Et on les entend, les animatroniques, ouais. Oh putain, je les ai pas remis sur les strades, merde. Donc voilà, donc ici on a le petit coin. Bon voilà, là j'ai installé des mods. Sauf que en fait, il y a des mods Minecraft, bien sûr, qui existent pour faire entièrement très très bien la map. Sauf que malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Il n'est plus disponible, je crois, le mod. Donc du coup, j'ai dû faire du mieux que je pouvais. Donc voilà, donc excusez-moi. Mais voilà, j'ai dû faire vraiment ce que je pouvais pour faire vraiment la map Minecraft le mieux possible. Oh bah tiens, on a Foxy juste ici. Comment ça va mec Foxy? Bon très bien, il est inanimé mais bon c'est un petit peu normal parce qu'il fait jour. Je vous rappelle que les animatroniques dans ce mode ne bougent pas. Je vous rappelle que ces animatroniques ne bougent pas le jour. Bon c'est bon ta gueule. Donc ce qui est un petit peu normal. Comment c'est possible qu'il les spawn? J'ai mis des torches, j'ai mis des lumières partout dans le jeu. Comment a-t-il fait pour spawn? C'est pas vrai. Après il y a des slimes et tout mais bon après ça c'est pas forcément dérangeant. Oui j'ai mis un petit LP en plus de ça, voilà. On a Chica, ensuite juste ici, voilà, et puis alors on l'entend, mais où est-il? Donc voilà, ici on a les toilettes, forcément les toilettes de FNAF 1, bien sûr. Ici on a la cuisine, voilà. Sinon qu'est-ce que vous pensez de cette salle là? Parce que franchement moi je la trouve vraiment insane. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement des arcades, des cadeaux, la Pirate Coves. Et là, l'estrade qui est tout simplement magnifique. Je suis extrêmement content. Où est Freddy? Coucou. Où est Freddy? Et là, ici, on a Partenaire Service avec un copain en plus. Salut, mec. Salut. Voilà, voilà. Alors, par contre, je sais pas du tout où est Freddy. C'est vraiment chelou. Je sais vraiment pas où il est. C'est Bonnie qui fait ce bruit. Hein. Il a toujours des bruits bizarres, lui. Hein. Foxy. Je me demande vraiment, vraiment, vraiment où est Freddy. Hein. Je vous jure, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage en réalité. J'ai rajouté les Insanity Shaders pour rendre une atmosphère un peu plus pesante. Et malheureusement, en fait, je trouve même que ça...
Après c'est stylé, franchement c'est stylé, moi j'aime bien. Après voilà, après c'est dommage parce que ça met beaucoup de brouillard, mais bon écoutez, voilà, c'est déjà ça. Ça rajoute une bonne atmosphère à notre jeu. Est-ce que t'aurais vu Freddy par hasard, Bonnie? Hein? Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Oh bah putain, il était juste là, merde, je l'avais même pas vu. Bon voilà, je vais remettre le jour et puis je vais tous les tuer pour ensuite les remettre sur les estrades. Oh, comment il me regarde. Voilà, vous êtes parfaits les mecs comme ça. Bon, on a plus de bruit, on a plus rien du tout. Écoutez les gars, c'est le moment. On est parti donc pour la nuit. Ok les mecs, c'est parti. La nuit a commencé. Et après par contre, il faut savoir que là, là-dedans. Parfait. J'ai les caméras les mecs. Ça bouge déjà ou pas? Oh putain oui. Ça bouge déjà hein. Oh non. Oh Foxy. Oh il sprint. Oh non pas déjà. Pas déjà mec. S'il te plaît. Donc voilà, on a les caméras. Par exemple on a la caméra 1 qui nous filme l'estrade. Mais pourquoi Freddy va se mettre là-bas? S'il te plaît mec. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous mec? J'espère qu'il s'est pas bloqué comme un con. Parce que franchement ça serait con. On a Bonnie là-bas. Je crois que Foxy repart. On l'entend. Il est parti. Oh. Oh non. D'accord. Oh. Pourquoi ils viennent pas dans ce couloir? Et pourtant moi j'ai tout vérifié hein. J'ai tout vérifié avant de faire la vidéo hein. Regardez-les. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh la vache. Ah moi je me cache hein. C'est bon. Ok ici on a donc cet endroit là. Freddy qui est parti. Freddy est parti, je ne sais pas où est-ce qu'il est du coup. Lendo, d'accord. Il y a de ces bruits. Ah. Bonjour. Oh putain. Eh non mais je vous jure, je crois qu'il y a un problème au niveau du couloir. Hein. Je crois qu'il y a un petit problème. Bon, ça fait chier, mais bon écoutez, tant pis. Franchement, moi j'ai plus le temps pour faire ça. Malheureusement, je n'ai plus le temps. Oh Freddy. Oh mon dieu. Bon d'accord, il tourne en rond, très bien. Oh merde, oh Chica arrive. Vite, oh putain. J'ai failli me faire déchiqueter. C'est Freddy qu'on entend là. Oh bah tiens. Freddy est à la pirate coffre. Freddy arrive, ah non bon, ok, bon, bonjour Foxy. Salut, beau gosse. Je ne sais pas si je vais pouvoir survivre en réalité. Oh mon dieu. Les bruits de Chica mon pote. Ah non même pas, mais non c'est pas Chica, c'est Bonnie, c'est vrai. Oh, y a du bruit. Mais ils viennent pas ici, hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Mais tu vois, en fait, s'ils font... En fait, ça se trouve, le couloir est pas assez grand. Parce que c'est vrai que malheureusement, j'ai mal fait ce couloir. Et en fait, il fait deux blocs au lieu de trois. Il fait deux blocs au lieu de trois, donc je pense que c'est à cause de ça. Et donc, du coup, ils ont pas assez d'espace pour passer, je pense. Oh merde. Il m'a vu, je crois. Oh là là, tain, mais comment il attend à la porte? C'est abusé. Les gars, d'ailleurs, si vous voulez avoir les modes, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous les enverrai dans la description. Après, bien sûr, seulement si vous en avez besoin et si vous les voulez. Non, je déconne. Ils sont directement disponibles dans la description, les gars. Alors, amusez-vous bien. D'ailleurs, les gars, si vous voulez plus de vidéos sur les modes comme ceci, comme cela, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait giga plaisir. Peut-être pas du coup sur des maps, mais... Peut-être on rajoute d'autres animatroniques, tu sais. Parce que je sais qu'il n'y a pas que les... Oh. Oh vite. Ferme. Oh putain le bâtard. Putain il est passé. Oh putain merde. Excuse-moi Bonnie. Regardez-les. Oh mon dieu. Eh ils sont les trois là. Chica je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais les gars d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite. Cette vidéo on va la faire en deux parties. Parce que je vais ajouter des modifications juste après. Par exemple, du coup, tout simplement, je vais élargir ce couloir. Parce que on le voit très très bien. Il y a... Salut Foxy. Tu viens pas, hein? Ouais, tu vois. Ça, il y a un problème. Le couloir est pas assez grand, je pense. Le couloir est pas assez grand, donc du coup, il passe pas. Tu vois, il m'a même pas détecté. Oula. Tu vois, même pas. Là il m'a vu, mais il passe pas. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un problème avec ce couloir. Il faut que je l'élargisse du coup de 3 blocs maintenant. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir les portes. Je vais pas faire des plaques de pression au sol pour ouvrir les portes. Je vais directement ouvrir les portes. Vous savez, par exemple, de la cuisine, des toilettes, tout ça. Pour comment ils puissent y entrer. Mais ils passent. Oh putain la vache. Ils passent, mais en fait, ils osent pas, j'ai l'impression presque. C'est trop sécurisé, tu sais, il y a une caméra ici et tout. Donc, cette vidéo, on va la faire en deux parties. Parce qu'en fait, là, déjà, je passe cette nuit-là
pour du coup vous faire découvrir le truc. Et ensuite du coup... Mais regarde ça, j'y comprends rien, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Après, si ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre une horloge pour qu'on voie le temps. Ou un timer, ou je sais pas quoi. Caméra 4, franchement, c'est là où il y a le plus d'activité, c'est un truc de ouf. Bon, d'ailleurs, vous vous demandez très certainement c'est quoi ces tapis au sol. En fait, c'est juste que ça cache des glowstones qui rajoutent de la lumière et qui empêchent les mobs de spawn. C'est pour ça que j'en ai mis. Bon, écoutez, ici, il n'y a pas trop d'activité. Oh là 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 là. Il me regarde, hein, il me regarde. Hein. Regardez-moi ça. Oh. Oh, la photo de fou. Oh merde, j'ai l'éther bombe, il s'en tape, mais. Oh. Oups. Du moment où ils bougeront plus, là ça sera bon. Là on aura fini. Elle est là, Chica. Tu vois, elle essayait d'entrer dans la cuisine. Ah, en fait, ils essayent, hein. Ils essayent de rentrer dans les pièces. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas, parce qu'en fait, c'est à cause des plaques de pression. Putain, je l'entends deux fois. Attendez, Foxy ne bouge plus. Vous pensez que c'est bon? Les gars, on a passé la nuit, let's go! Salut les gars! Bah alors, vous avez le seum? Et ben voilà les gars, ben voilà, donc déjà, première nuit de passé. Et puis après, là, du coup, là, pour le moment, bah, du coup, je n'ai plus le temps de tourner la suite. Mais je vais faire les modifications. Mais je tournerai la suite de cet après-midi. Et puis, du coup, je vous redis plus tard. Allez, à plus tard les gars! Bon les gars, du coup, on se retrouve. Ça y est, j'ai apporté les modifications du coup à ma map. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir là, par exemple, déjà, les portes sont ouvertes. Et en plus de ça, du coup, j'ai enlevé les. Bonjour. J'ai enlevé du coup les dalles au-dessus. Parce qu'en fait je voulais pas que du coup ça fasse un carré en moins. Ça fasse carrément un rectangle en moins en fait au-dessus des portes. Et donc du coup tu sais mettre des dalles et tout pour que quand même que les animatroniques puissent passer dans les salles. Sauf qu'en fait je me suis aperçu tout simplement avec ce monsieur là, hein, que tout simplement il ne passait pas. Les animatroniques ne passaient quand même pas même avec des dalles. Donc du coup, parce que du coup voilà, il faut exactement 3 blocs de haut les animatroniques. Donc du coup j'ai dû enlever du coup ces dalles. Et donc du coup voilà, là j'ai mis des portes normales en plus de ça pour qu'ils puissent passer dans tous les cas. Là à l'endo, bon voilà, il refait le tour de partenaire de service. Mais voilà, donc du coup il va pouvoir passer. Au niveau des animatroniques, bon oui, c'est Bonnie et Chica, ils ont changé de place, c'est parce qu'ils ont un peu bougé tout à l'heure. Il faisait nuit et tout, donc c'est un petit peu normal s'ils bougeaient. Donc là voilà, c'est pareil, c'est ouvert. Là ici la cuisine c'est pareil. Cet endroit là c'est pareil, c'est ouvert. Et ici voilà, ici ça fait quand même maintenant un couloir de 3. J'espère que les animatroniques vont pouvoir passer et normalement ce sera bon. Et en plus de ça, j'en ai profité pour faire le tour de la map, le tour du restaurant pardon, en tuant en gros les squelettes et puis les slimes là qui faisaient beaucoup de bruit. Donc voilà, donc écoutez, il n'y a plus qu'à lancer la partie et puis... Bah let's go. Là ça va être intense. Bon bah les gars c'est parti hein. Game mode survival. Et là je me mets time set night. Let's go les mecs. Oh là là, c'est chouette hein. C'est chouette comme ça. La journée c'est pas beau parce qu'en fait il y a... Vous savez quoi, on va même déjà faire un test. Oh putain vite. Ouais il passe. Oh putain. Oh c'est tellement mieux comme ça. Attends, je suis content. Je suis très content même. 987. Oui c'est le code. Oui c'est le code. Oh Foxy. Salut mec. Il passe de l'autre côté. Ah mais il me perd en fait. Il me perd de vue là déjà. Donc on a Bonnie, Chica, Foxy, Freddy. Où est-il encore Freddy là? Oh Chica. Comment elle sprint? Ça me fume. Vous pensez qu'elle va passer de l'autre côté? Non. Par contre Foxy risque de me voir hein. Salut. Oh putain vite. Bonnie. Oh, comment il sprint. Salut. Il court vite. Il court vite. Vite, ferme. Oh, putain, la vache. C'est tellement plus intense comme ça. C'est incroyable. Par contre, Freddy, je sais pas où il est. Je l'ai fait spawn. Hein. Il était juste là. Il était juste ici. Eh, ok, d'accord. Oh. Eh, vas-y, lui, c'est trop. Il passe de l'autre côté. Non, mais en fait, il passe pas de l'autre côté. Il me perd, en fait, à partir d'ici, tu sais. Mais il est où, Freddy, très sérieusement? Il arrive. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu. Oh, non. Faut économiser la batterie, les gars. Freddy, je sais pas où il est. Freddy, il a des spawns. Bon, écoutez, tant pis.
Oh merde, oh merde, oh merde, oh putain le bâtard. arrête. Bon, je vais faire spawn. Bon, je l'ai refait spawn, hein, tant pis. Oh merde. Oh la vache. Oh, ils sont trop rapides en vrai. Oh mais c'est une blague. À tout moment... Oh, putain mais regardez, il est là, il se cache. Non mais c'est une dinguerie. Il est débile ce Freddy, c'est abusé. Débile. Non mais regardez-le. Ça y est, du coup, il y a deux Freddy maintenant. Oh non. Oh, faut que s'y retourner dans sa pirate coffre, carrément. Eh mais wesh. Non, c'est abusé. Mais regardez-moi ça. Ça y est, c'est maintenant qu'il sort, ce salaud. Oh non, puis en plus, il arrive. Wesh, Foxy. Oh non, wesh. Oh là là, oh là, vite. Oh. Salut. Oh putain, la vache. Oh, oh putain, ça m'encercle. Ça m'encercle, les gars. Ok, il n'y a plus personne. Ils sont tous là, ils ont tous ça, cette salle là. Ils passent quand même pas dans les salles. Après, ils passent quand même pas dans les salles. C'est genre la cuisine, les toilettes et puis la. Même l'endo. L'endo ne passe même pas. Après, c'est bizarre. Bah, après, écoutez, c'est pas bien grave. Je pense que c'est juste comme ça. Hein. Oh, j'ai cru que Foxy allait aller dans partout de service. Après, écoutez, c'est pas bien grave. Bonnie. Oh, c'est tellement stylé en vrai. Je kiffe. Vous savez que je kiffe, hein. Vous le savez. Mon dieu. Du coup, ça veut dire que là, il n'y a personne. Ah. Oh putain, le salaud. Wesh, les deux, ouais, doucement. Oh. Wouah, comment il sprint. Ils sont tous là. Enfin presque. Waouh, 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 waouh. J'ai oublié par contre de mettre, de rajouter la... l'horloge. Ça j'ai oublié. Oh la vache. Imbécile. Oh mais c'est trop. Vas-y les... Oh, c'est pas sympa. C'est pas sympa les gars. Vraiment pas. Même eux ils s'en peuvent plus. Oh. Ah d'accord, ok. Non mais d'accord. Oh non. Oh Bonnie. Oh, oh putain. Allez, je vous jure c'est une dinguerie. Je vous jure c'est une dinguerie. Oh, il va faire jour. Il fait jour. Les mecs, on a réussi, let's go. Ils sont tous là. Ils sont tous là. En plus de ça, il y a un intrus. Oh la dinguerie. Trop bien, et eh ben putain, on a réussi à passer de nuit au total en vrai dans la pizzeria de FNAF 1 sur Minecraft. Let's go. Bon, bah, sur ce, bah, les gars, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater que des prochaines vidéos. N'oubliez pas, aux 7000 abonnés, on fera donc la pizzeria de FNAF 2 sur Minecraft, les gars. J'ai très très hâte. Merci encore à tous pour. Donc, oh putain, pas lui. Merci encore à tous, les gars, pour les. Ça se fait pas, franchement, ça se fait pas. Non, pas. Pas là. Dégage. Oh les bâtards. Merci encore à tous les gars de m'avoir suivi durant cette vidéo. Merci encore à tous pour ces 6000 abonnés. C'est vraiment énorme. Et je vous dis tout de suite, on n'est pas prêt de s'arrêter. Sur ce les gars, bah, c'était Navetz. On se retrouve très bientôt. Ciao les gars.